Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Phoenix, aujourd'hui on est sur Asterix Mystique XL Remastered pour la suite. Comment ça la suite? Non, pour une nouvelle partie. Pour découvrir, déjà pour refaire un let's play, hein, on refait le let's play d'Asterix XL, mais en version remastered. Remasterisé plutôt. Et du coup, bah, on va commencer de suite. Bah normal. Toujours normal. Wow, le bruit. Ça a l'air beau en plus. C'est très beau. Alors en vrai, j'ai fait quelques petits tests. Hein. J'ai fait un test. J'ai juste fait la goule. J'ai pas vu plus loin. Parce qu'en fait, je voulais juste voir si ça marchait. En... Bah, si ça fonctionnait bien. Et. Si tout m'a l'air de bien fonctionner en fait. En fait, j'ai fait un test. Et ça. Quand j'étais en plein écran, ça marchait pas bien, genre ça buguait à mort. Et récemment, j'ai fait un test et ça a pas fonctionné. Waouh! Ah, les musiques aussi, elles sont bien faites. Elles sont en fait et tout. Alors, oui, on peut remettre en rétro si jamais on en a envie. Et marche sur l'herbe. Pour l'instant, vous voyez l'impression que ça bug, sinon je peux jouer comme ça aussi. Hein, mais ça viendra à revenir à la normale. Donc, oui, Asterix Obélix XL pour un nouvel let's play. Enfin, un nouvel let's play par la sœur Master. Et il y a l'explosion qui nous attend. Salut à toi. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je peux t'apporter une aide précieuse. J'étais espion au service de César, mais il a décidé de se passer de mes services. Il m'a renvoyé. Moi, le meilleur agent secret de Rome. Renvoyé. Je me vengerai en divulguant tous les secrets de l'Empire. Un terrible combat a eu lieu ici. Tes amis se sont bien défendus, mais César et ses troupes ont eu le dessus. C'est marrant d'intervertir comme ça. Il y a beaucoup de casques qui traînent. Collecte ces casques. 150. Ah ouais, il fallait en collecter 30. Près du gros bloc de granit. Alors je t'aiderai. Tes amis ont besoin de toi. Ouais. Donc, ah, oui, donc vous me verrez souvent changer de champ comme ça. C'est pour éviter que ça lag de trop. Parce que vous voyez, là, c'est insupportable. Donc, au moment, je suis obligé de jouer comme ça. Mais je pense que dans les autres pays, ça va être bien. Donc, change de mode à tout moment. Appuie sans modération sur RT pour afficher le mode rétro et remaster. Découvre Asterix Obélix XL comme à l'époque avec ses graphismes et ses musiques authentiques réalisées en 2003. Donc, avant, il fallait collecter 30 casques. Donc, vous voyez par exemple, ça bug de ouf. Je ne peux pas trop. Je suis obligé de jouer comme ça pour le moment. Donc, tout a été refait, hein. Le jeu, les musiques, les animations, les bruitages, tout a été refait. Ah, j'ai vraiment raté mon saut. Donc, oui, c'est un jeu qui date de 2001, 22 octobre 2001, je suis sorti. Par la société Nitroid. Ceux qui ont refait Asterix Obélix XL 2. Ah, d'ailleurs, oui, si jamais vous voulez, si jamais vous voulez, il y a un jeu assez Asterix Obélix XL
en version impossible, genre en mode unfair. Si vous voulez, je peux faire le jeu et puis en let's play aussi. On pourra voir ce que ça fait. Allez, 3 casses encore. Voilà. Regardez le sol carrément refait, là, le sol brique. On va collecter un max de 4. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Panamix était ici et nous, on marchait par là. Bon, allez, pardon. Bravo, le compte y est. Je t'ouvre le passage. Oui, ah oui, les aussi, les oreilles ont été refaites aussi. Pour franchir la palissade. N'oublie pas de pousser le gros bloc de granit. Il te permettra d'atteindre la plateforme. Il n'y a pas une minute à perdre. César et ses hommes ont enchaîné tous tes amis. Ils sont partis au pas de course. Et j'ai cru comprendre que des galères romaines les attendaient pour embarquer près d'ici. Même les voies, ils ont été refaites. Au fait, pour pousser le gros bloc de granit près de la palissade, approche-toi de lui, maintiens la... Ouais, ça on sait. Si tu m'aperçois à nouveau, surtout viens me voir. J'aurai toujours de précieux renseignements à t'offrir. Ok, donc oui, comme je disais, les bourrées, les effets d'aura ont aussi été refaites. Enfin, les auras. Par exemple, le bouclier, il a été refait. Quand on récupère, il y a une petite aura qui apparaît autour de nous. Déjà ça, par exemple. Et voilà, par exemple, ça aussi. Et bien sûr, bon, ça lag vraiment en gros. Ça, là, toujours cette possibilité de cliquer en l'air. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus les combos. D'ailleurs, on peut voir du coup les combos comme ça. Avant il fallait le faire. Avant c'était un fond nuageux et derrière c'est maintenant c'est le plan du monde où on est en Gaule là. On peut changer la difficulté à tout moment, ça c'est cool. Et le tutoriel, hein, découvre le mode parcours. Ah oui, et maintenant il y a le mode parcours et un mode contre la montre. En contre la montre c'est atteindre le point lumineux à vitesse, enfin le plus vite possible, et contre la montre c'est le mode parcours. Le mode parcours, il faut ramasser les pièces et toutes les pièces ramasser toutes les pièces avant la fin du temps, quoi. En fait, le mode parcours et contre la montre, c'est vraiment avant la fin du temps. Et maintenant, ils ont mis aussi les petites musiques. Par exemple, là, dans le jeu d'origine, c'est calme et tout. Et là, une petite musique qui se passe. Genre là, il n'y a rien. Et là. Il y a aussi des animaux qui ont été rajoutés, si je ne dis pas bêtises. Mais là, je crois qu'il n'y en a pas dans cette zone. Mais oui, il y avait des animaux. Ils ont rajouté des animaux, je crois. On a demandé ramasser un. Allez, poursuivons notre aventure. Et du coup, voilà, là ça bug pas pour le moment. En fait, quand je suis dans les grottes, ça bug pas. Ça, c'est cool. Enfin, dans la grotte, là, actuellement, ça bug un petit peu, mais parce que. En fait, le problème dans le jeu, il y a beaucoup de graphismes, mais c'est les arbres. Les arbres sont trop. En fait, tout ce qui est verdure et tout. J'ai quelque chose de très important. Et ils ont aussi rajouté l'effet d'écho. Regardez. Les généraux romains cachent des lauriers en or massif dans toutes les contrées conquises. Et ils le font sur ordre direct de César.
C'est lui en personne qui leur a dit où cacher ses lauriers. Je suppose qu'ainsi, l'empereur a l'impression d'être présent partout dans son royaume. Il y a un grand nombre de lauriers en or massif répartis dans tout l'Empire. Plusieurs d'entre eux sont présents en Gaule. Tous cachés dans un lieu. 7 d'entre eux. Avant, en Gaule, il fallait récupérer 5 lauriers. Tous les lauriers cachés dans chaque pays. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Surtout, prends alors le temps de bien chercher et fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu d'origine, il y avait 54 lauriers. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 54 lauriers et là, il y en a maintenant 103 au total. Là, en Gaule, avant, il n'y en avait que 5. Il fallait en trouver 5. Donc, il y en avait en début, un ici, ou là. Et maintenant, il y en a 7. Donc, vas-tu les casques. Par contre, je ne sais pas si les... Donc ça par exemple c'est une stèle qui permet, ça c'est une stèle par exemple justement c'est le mode parcours. En fait c'est en débloquant, en finissant la zone actuelle qu'on peut avoir accès à des stèles comme ça pour avoir le mode parcours ou le mode contre la montre. Je crois que c'est un mode parcours ça. Hein. La stèle n'est pas activée. Pour rester dans le jeu voilà. Alors, en fait, j'avais fait un test dès que le jeu était sorti, j'avais fait un test et cependant, je pouvais vraiment pas jouer jusqu'à ce qu'ils fassent la mise à jour récente. Récemment, ils ont fait une mise à jour, mais c'était là actuellement, nous sommes le 25 septembre. Ils ont fait une mise à jour il y a deux semaines, qui fait que avant, il n'y avait pas, par exemple, les comme ça, bah, l'aura des casques n'était pas avant. Le feu n'était pas présent aussi. Genre là, par exemple, on peut voir le feu, mais avant ça n'était pas. La flamme et tout. Et c'est ça qui était problématique dans le truc. Donc j'ai décidé d'attendre. Est une torche éteinte. Elle est très importante. Enfin, un petit cambard. Bien utilisée, elle va te permettre de faire exploser des barils de poudre. Astérix, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Saisis-la et trouve un feu pour l'allumer. Excusez-moi. Attention, elle a tendance à vite s'éteindre. Sois malin, allume des feux intermédiaires sur ton parcours pour pouvoir la rallumer facilement à chaque fois qu'elle s'éteindra. Allez, ah oui, ils ont aussi refait les coups. Regardez comme il y a le geste derrière. Toujours cette musique aussi. Alors, j'ai écouté les musiques comme vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai fait des petits mashups. Parce que j'étais impatient de découvrir les musiques du jeu. Parce qu'en général, quand on parle d'un jeu remastered, on parle de tout qui a été refait. Les musiques, par exemple. Écoutez-moi ça. Comparé à ça. Ah, aussi, il y a un truc qu'il faut savoir prendre en compte, c'est que dans le mode Amazon, on peut choisir... genre les nouvelles musiques, les nouveaux bruitages ou le bruitage de transition. Donc par exemple si on retire tout, ça donne quelque chose comme ça. C'est le jeu d'origine, sauf que c'est juste à faire avec les meilleurs graphismes. Ah oui, quand j'en pose un mode remaster, ça bug. Et donc là par exemple voilà. Bien, on va continuer notre aventure. La case monte le temps.
ça. Alors oui, d'ailleurs, oui, les voix par contre sont toujours les mêmes. Hein. Mais hé, on va pas se plaindre, la voix d'Astérix et la voix d'Obélix ont été choisies mais de manière incroyable. C'était vraiment le meilleur choix à faire. Pierre Tornade et Roger Carrel. Et donc la stèle tu a été activée. Pas trouvé idée fixe non plus, mais où peut-il bien se cacher? Alors juste une seconde. Je vais augmenter les voix. Obélix, quelque chose de terrible est arrivé au village. Tous nos amis ont disparu. Nos maisons brûlent. Qu'est-ce que tu racontes? Hé hey des Romains, par ici. Oh, suis-moi. Cette musique. Je crois que je l'avais déjà écouté dans la zone après le village. Ah, j'adore cette musique. Le thème du combat de la Gaule, c'est vraiment la meilleure musique que j'ai écoutée. Après la musique du boss. La musique du boss, elle est vraiment... c'est celle que j'ai utilisée en musique d'intro, quoi. Oh, je suis obligé de faire une intro, c'est obligé. J'ai fait un mashup. Hein. C'est moi ce passage. Alors là, nous avons un petit exemple de parcours comme j'ai vu dans la bande annonce. Hop là, petit parcours. Bien sûr, il y a toujours ce système avec Obélix. Alors maintenant il y a des pirates, ça t'a rajouté. Obélix ? C'est toujours ce truc. Ah ! Fail. Deuxième fail. Obélix, un peu de sérieux quand même. Bon, passe à la bonne. Il y a toujours ce système. Alors faut pas les amener vers l'eau parce qu'après ils vont bugger et ils vont marcher dans l'eau. C'est Jésus, mon pirate. Et aussi, le pirate, le chef pirate, est très très long à frapper quand vous êtes face à lui. Il faut être derrière lui pour... Et bien sûr, il est assez romain. Et oui, et aussi les armures sont vraiment plus claires. Hein. Là, vous voyez qu'il y a comme si ça brillait. En même temps, c'est des armures, donc au soleil, ça brille. Normal. Moi, je veux tous les casques. Oh, pardon. Mon défi, ce serait d'avoir 1 million de casques. Pas que c'est possible. Yes. Ah oui, alors, par contre, j'espère un truc, maintenant que je connais le jeu, enfin, juste connaître le jeu, c'est juste pour dire que j'ai déjà fait le jeu, mais j'espère par contre qu'ils n'ont pas fait le truc qui permet de faire en sorte que je me trompe au niveau des caisses, genre j'espère que je vais pas avoir tous les casques avant d'avoir les multiplicateurs, c'est ce que je veux dire. Attention, je crois que les multiplicateurs se montrent maintenant, sont plus... dans les caisses. Hop, deuxième laurier. Regardez-moi ça, regardez-moi cet océan. Qui d'un coup, il y a des mouettes, vous voyez. Et là, ben, vous pouvez le voir, là où regarde Obélix. Je veux pas de bateau, moi. Mais c'est normal, je viens de le dire. Il y a des bateaux maintenant, enfin, on peut voir les bateaux. Et là, il y a des mouettes. Maintenant, peut-être des mouettes là. Il n'y en a plus. Des mouettes, plus des mouettes. Un sanglier, deux sangliers. Donc oui, comme vous pouvez le voir, le ciel aussi est complètement refait. Genre là c'est vert et là c'est... Bon, vous avez compris, hein. Ce let's play va être formidable. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors, parle-nous toi. Je vois que tu as retrouvé ton fidèle compagnon. C'est bien. Vous aurez besoin d'être deux pour libérer tous vos amis. Plusieurs d'entre eux ont été embarqués de force sur deux navires différents. On les distingue au loin. J'ai cru comprendre
que l'un d'eux se rendait dans les pays du Nord, mais je ne sais rien de la destination du second. J'ai aussi vu des troupes escorter une cage avec un vieux druide prisonnier à l'intérieur. Quitte cette plage et cherche bien. Tu devrais facilement pouvoir les rattraper. Alors, j'ai fait une découverte aussi, voilà, pour parler d'Astérix. J'ai fait une découverte récemment sur Twitter, où il parlait d'un... Enfin, il parlait pas personnellement, mais j'ai vu ça sur YouTube. C'est... Oui, non, j'ai vu ça sur Twitter pour... j'ai posé la question au Microïd. S'ils avaient la map bêta de Rome. Parce que j'ai vu sur YouTube, ils avaient fait une présentation du... Du Rome bêta. Du Rome. Pays Rome en version bêta, la version qui n'a pas été utilisée dans le jeu. J'ai cru comprendre qu'ils... Obélix, t'es où? J'ai cru comprendre qu'ils étaient en train de... Ils étaient en train de travailler sur le projet avant que le jeu soit sorti. Mais qu'ils n'ont pas pu le sortir car c'était... Bah comment dire, quand un jeu est repris, on va pas rajouter des trucs. Quand c'est une version refaite du jeu, on va pas refaire des trucs. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Tu peux sauvegarder manuellement en parlant de ruine. Tout au long de ta progression, tu vas regarder un personnage en passant à côté d'eux. Ta progression sera automatiquement sauvegardée. Ah bah tant mieux. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Asterix Obélix XXL Remastered. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera sur la fin de la Gaule, toujours. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.